Alors, la Kia V6 GT dévoile ses prix. On rappelle donc un 585 chevaux, 3 secondes 5 de 0 à 100. Cette version donc commencera à 72 990 euros. Elle coûte à peu près la même chose que le prix d'une BMW i4 M50 avec 544 chevaux et 745 Nm de couple. C'est dire à quel point Kia n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pas question donc d'espérer réduire la facture avec une quelconque aide de l'État. Bien sûr. L'autonomie, comme on l'avait déjà vu, effectivement 424 km avec une batterie de 77,4 kWh. Recharge en 800 volts. Et oui, évidemment. Donc voilà. Alors je vous pose la question, est-ce que cette voiture sportive pourrait vous intéresser, malgré son prix quand même stratosphérique, enfin stratosphérique. Ça reste moins cher qu'une Model S-Plaid hein, par exemple, mais bon, la Model S-Plaid elle fait deux fois plus de chevaux aussi. Et elle est deux fois plus chère, donc voilà, c'est à peu près logique, je dirais. Pour finir, donc, la production va démarrer à partir du mois de septembre, et les premiers exemplaires seront livrés en début 2023. Voilà. Allez, je vous laisse commenter.